Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons l'école de Savignac avec son bachelor international en management de l'hôtellerie-restauration et son MBA en management hôtellerie-restauration. Pour nous en parler, trois invités de marque. Le premier, le nouveau directeur, Cyril Lanrezac. Bonjour Cyril, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Merci Guillaume de nous accueillir. Mais merci à vous de venir. On accueille également deux de vos étudiants. La première, Marie Granchon, étudiante en deuxième année de MBA. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Et Enzo Canton, étudiant en première année du MBA, alternance, on va en parler, c'est aussi une spécificité, c'est ça. Exactement, bonjour. Bah, bonjour à vous trois, vous êtes tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, c'est 60 secondes, Cyril, pendant lesquelles vous allez nous parler de l'école de Savignac, dans les grandes lignes, est-ce que vous êtes prêts? On va y aller. Eh bien, je vous écoute. L'école de Savignac, c'est l'école de management internationale des métiers de l'hospitalité. C'est une des toutes meilleures écoles françaises de management hôtelier. Ça fait partie des toutes meilleures françaises et donc internationales. C'est une école qui a 35 ans, qui a été créée et qui a été financée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne et qui s'est agrandie depuis 10 ans à travers un bachelor qui représente aujourd'hui plus ou moins 400 étudiants par an, 300 en bachelor avec trois spécialités, trois spécialisations en bachelor et donc le MBA cette année ouvert en alternance et l'année de bachelor 3 aussi en alternance. C'est une école à taille humaine, c'est une école très avant-gardiste dans un vivre ensemble, dans un engagement de ses étudiants au sein d'une école un peu improbable dans un village à 20 km de Périgueux et qui rend un cadre absolument incroyable de vie dont les étudiants, j'imagine, vous parleront. Et puis, un tout dernier mot, une pédagogie assez unique puisqu'on est entre la business school et l'école hôtelière, on n'est ni l'un ni l'autre. On n'a que des enseignants qui sont des professionnels du métier, donc on est une école d'enseignement supérieur professionnalisant. Voilà, on en reviendra peut-être dans notre conversation, mais c'est un point de distinction aussi très important. Absolument, on va avoir l'occasion d'y revenir tous ensemble, un programme très alléchant, mais avant cela, on commence par le programme. Alors Cyril, vous proposez, l'école de Savignac propose un bachelor international en management de l'hôtellerie-restauration et un MBA management hôtellerie-restauration, hein, c'est ce qu'on a dit. Tout à fait. Est-ce qu'il faut avoir fait le bachelor pour pouvoir s'inscrire en MBA et quels sont vos principaux critères de sélection? Donc non, pas du tout. Les principaux critères de sélection, on peut rentrer d'abord, il y a trois niveaux d'entrée majeurs. Celui en année 1 post-bac, où là on va regarder sur dossier, essentiellement sur la motivation, et puis avec un minimum d'un à deux mois d'une expérience professionnelle qui permet de la personne de s'être frottée à cette vocation. Hein, rentrer dans les métiers de l'hospitalité, c'est avoir une vocation à servir les autres, et ça, tout le monde ne l'a pas, et nous on recherche ceux qui l'ont. Ensuite, en troisième année, là, on va effectivement majoritairement prendre des postes BTS hôteliers, pas forcément que, et là aussi, on va aller regarder de temps en temps quelques exceptions hors cadre champ année 1, année 2 hôteliers, mais qui auraient eu dans ces cas-là des expériences plus conséquentes que les 1 mois, mais voire 6 mois ou 2 ans à travers les stages qu'il a eu en première année, même s'il vient d'un cursus différent. Et enfin, au MBA, une sélection là beaucoup plus drastique, puisqu'effectivement, qui vient en interne ou en externe, et plus drastique avec des tests, différents tests de gestion, et là toujours quand même aussi le sacro-saint nécessité d'avoir eu des fonctions opérationnelles à travers des stages ou des premiers emplois qui démontrent de son envie de grandir dans la richesse des métiers de l'hospitalité. Enzo, toi tu es donc en spécialité, tu as fait un bachelor, là, la Exactement. Dernière année de bachelor, et après maintenant tu es en première année de MBA. C'est ça. En dernière année de bachelor, on a le choix entre la spécialisation ou l'alternance. Tu as pris la spécialisation, tu as pris l'alternance? J'ai pris l'alternance. Et alors pourquoi tu as fait ce choix-là plutôt que la spécialisation, par exemple? J'ai pris l'alternance parce que pour moi c'était déjà une chance, et en plus une grande possibilité de pouvoir partager le temps à l'école et le temps dans une entreprise. C'est également, pour moi, c'était la chance de pouvoir, encore une fois, passer un diplôme et commencer tout doucement à me lancer dans ma vie professionnelle. Et est-ce que l'école t'a aidé à trouver
une entreprise pour Alors, j'ai eu la chance de garder mon entreprise, de la même que j'avais, dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'année, de fin de troisième année. Nommons-la peut-être. Le Parc Hyatt Paris-Vendôme. Donc, l'école ne m'a pas accompagné sur le choix de l'entreprise du MBA, alternance, puisque je l'avais déjà. Mais en tout cas, elle m'a accompagné lors de la recherche de stage en troisième année. Et je sais également qu'elle accompagne tous les étudiants qui n'arrivent pas encore à trouver une alternance. Alors, si je peux me permettre, l'évolution de votre fonction ? Exactement. Il y a eu forcément, puisque le bachelor change, la troisième année de bachelor, j'étais un petit peu plus sur la partie opérationnelle avec une responsabilisation au fur et à mesure du stage. Et sur le MBA alternance, j'ai pris des fonctions un petit peu plus managériales, essentiellement sur des postes d'assistant manager ou assistant directeur FNB. Et toi, Marie, donc tu n'as pas fait le choix de l'alternance ? Non. Tu as fait le choix de la tu as fait bachelor puis MBA ? Oui. Et tu as fait le choix de la spécialisation ? Oui. Tu peux nous en parler aussi, justement, de ton parcours ? Oui. Alors, je suis entrée à l'école de Savignac en post-bac directement, parce que j'avais une connaissance qui avait effectué cette école-là. Et ensuite, une fois qu'on met le pied à Savignac, on n'en ressort plus, on va dire. Donc, j'ai poursuivi directement avec le MBA. Donc, en bachelor, je me suis spécialisée en troisième année en hôtellerie de luxe et loisirs. Et en MBA, je suis en deuxième année actuellement. Je suis en train de réaliser mon stage de fin d'études et je me trouve au sein du Pullman Paris Tour Eiffel en tant qu'assistante chargée de recrutement et formation. Quand tu dis qu'on n'en ressort plus, on n'est pas prisonnière, rassure-nous. Non. D'accord, c'est volontaire. Oui, on a envie de rester là-bas, d'accord. Alors, je confirme, à un moment donné, on les pousse à prendre leurs envols. Alors, comment ce programme, je dis ça parce qu'on parle beaucoup d'environnement, rapport du GIEC, on parle beaucoup de choses comme ça, c'est très, très actuel. Comment le programme tient compte de l'impact environnemental du tourisme et du secteur de l'hôtellerie ? Écoutez, de plus en plus, bon, déjà à travers l'approche, les étudiants parleront des cours, beaucoup de professeurs, d'enseignants, pardon, d'intervenants, on dit à Savignac, prennent le prisme de la RSE et d'une économie responsable. À partir de cette année, on intègre aussi une personne qui va donner un cours pur de RSE aux étudiants, qui est une personne qui a monté un label dans l'éducation sur la RSE et qui a tout un cursus dans l'hospitality, donc qui a une expérience, parce qu'on est vraiment au tout début de la phase de transformation de la RSE. Il y a beaucoup aussi de changements de loi qui vont arriver et qui sont à appréhender par les professionnels. Donc ça, on l'intègre cette année dans un cours propre. Sinon, c'est très intégré. Et puis, dans nos pratiques, nous avons récemment, avec les collaborateurs, fait la fresque du climat, qui aujourd'hui est un classique, mais qui n'est pas encore fait par toutes les entreprises en France et qui est absolument nécessaire pour bien comprendre les enjeux. Donc voilà comment, modestement, on a encore des efforts à faire dans notre consommation d'énergie. L'école, j'aimerais faire de cette école une école pilote la plus green possible. Maintenant, voilà, on ne change pas tout du jour au lendemain. De gros investissements avaient déjà été faits par la Chambre de commerce, mais je pense qu'aussi sur la gestion de l'énergie sur site, on aurait encore quelques progrès à faire, mais qui n'en a pas ? Absolument. Alors, vous avez parlé de pédagogie. Je crois que ça s'appelle la Savignac Attitude, la pédagogie au sein de l'école de Savignac. De quoi s'agit-il, Cyril ? Alors, je vais d'abord vous permettre de laisser répondre. Alors, Enzo, c'est vrai que tu as beaucoup réagi. Alors, c'est vrai que la pédagogie au sein de l'école de Savignac, c'est quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où on est vraiment... L'école de Savignac nous pousse à être autonome, déjà premièrement, mais également dans la pédagogie avec les intervenants, par exemple. On est vraiment dans un lien de respect, bien évidemment, mais c'est nous, par exemple, qui allons nous occuper de l'arrivée des intervenants, s'ils ont besoin de quelque chose sur place. On va vraiment veiller à ce que leur séjour se passe bien, tout en ayant les bases de la relation avec lui, mais les bases professionnelles. Marie ? En fait, nous sommes plutôt acteurs de ce qui se passe. Et en fait, l'école nous fait plutôt confiance pour ça. C'est-à-dire qu'elle nous donne les clés en main. Et une fois qu'on a saisi les clés en main, nous on prend ce qu'on nous a donné et on met en place. Et parfois, d'ailleurs, ça peut ne pas réussir, mais souvent, ça réussit. Ça Savignac. On a aussi, par exemple, on parlait de RSE aussi, campus propre, où là, c'est la Savignac Attitude. C'est-à-dire que nous-mêmes, on prend notre rôle en main. C'est-à-dire qu'on doit, toutes les semaines, nettoyer le campus avec l'ensemble des étudiants. Donc, ça permet aussi d'avoir une cohésion et de connaître aussi certains camarades qu'on ne croise pas forcément tous les jours. Donc, vraiment, cette Savignac Attitude, on la développe tout au fil de notre parcours et notre cursus sur l'école, sur le campus, ou bien sur la vie académique.
académique. Cyril, je vous laisse compléter. Après oui, on la Savignac Atiduc, c'est aussi, donc c'est tout ça, et c'est aussi une école professionnalisante, une école qui attend de ses étudiants qu'ils soient comme s'ils étaient en entreprise. Donc il y a cette bienveillance et cette empathie, cette intelligence émotionnelle qu'on développe dans les métiers de l'hospitalité, hein, ce qu'on appelle les soft skills dans bien d'écoles de commerce qui souvent n'ont pas forcément toujours compris ça. Et puis, indépendamment de ça, par contre, c'est la responsabilisation de l'étudiant. Et l'étudiant aussi doit se comporter comme un humain responsable dans un environnement qui n'est pas... c'est pas une école où voilà, on est tous habillés comme on serait en entreprise. C'est un détail, mais et les attitudes aussi. Donc la Savignac Attitude, c'est tout un écosystème d'un étudiant qui devient et qui mûrit comme un humain responsable. Voilà. Merci Cyril, merci à tous les trois. On passe tout de suite au cliché. Les clichés sont un peu ces idées préconçues qu'on peut avoir concernant l'école de Savignac, la Dordogne, concernant les métiers de l'hospitalité. Marie, je vais te laisser commencer. Quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit quand j'évoque ton école? Le premier cliché, c'est qu'on n'ait pas d'expérience opérationnelle, ce qui est totalement faux, puisque lorsqu'on arrive à l'école de Savignac, on nous impose, et c'est très bien, de réaliser des expériences opérationnelles, donc c'est-à-dire sur le terrain, entre la première et la troisième année de bachelor. Puisque pour être manager de demain, il est obligatoire de connaître aussi l'ensemble des services d'un établissement. On réalise de nombreux stages, notamment de la première à troisième année. Pour ma part, j'ai été réceptionniste concierge en première année. En deuxième année, j'ai assisté la directrice d'un établissement de camping, 5 étoiles. Donc je suis passée aussi par le service de nettoyage des bungalows, etc. Et en troisième année, là, j'ai commencé à pouvoir prétendre avoir un peu plus d'expérience managériale puisque j'ai accompagné un manager sur le développement hôtelier sur Paris. Donc vraiment, c'est tout un parcours et l'école de Savignac l'a très bien compris. C'est que pour devenir manager de demain, il faut avoir aussi de l'expérience sur le terrain et connaître l'ensemble de l'établissement. Une école professionnalisante, aussi Exactement. Bien dans son fond que dans sa forme. Enzo ? Alors, si un cliché qui me vient à l'esprit, c'est la ruralité. Pourquoi ? Parce qu'on entend régulièrement, l'école de Savignac est un petit peu perdue au fond de la Dordogne, ce qui n'est pas forcément le cas. Pourquoi ? Parce que oui, encore une fois, on est dans la commune de Savignac-les-Églises, dans un petit village isolé, mais on a également Périgueux à côté. On est vraiment dans une petite campagne, mais on n'est pas non plus perdu. Donc c'est vrai que c'est une remarque qui vient assez régulièrement, mais qui n'est pas réellement fondée. Et puis c'est pas parce qu'on est dans un petit village qu'on est forcément perdu. Hein. On Exactement. Peut ne pas se sentir perdu dans ce petit village. C'est ça. Et trouver ses marques. La preuve, vous êtes tous les deux dans des entreprises qui sont très parisiennes. Exactement. Enfin, beaucoup plus parisiennes d'ailleurs. Cyril, votre cliché ? Alors j'en ai plusieurs, mais le premier, c'est surtout que les métiers de l'hospitalité aujourd'hui n'auraient pas le vent en poupe, il n'y aurait plus de jeunes pour fournir l'industrie et le secteur. C'est absolument faux. Par contre, effectivement, les professionnels et l'industrie doivent aujourd'hui faire de gros efforts sur les méthodes qu'elle a pu faire pour donner de la perspective à ces jeunes. Le deuxième cliché qui va avec ça, ça serait de dire qu'aujourd'hui, avec un bachelor ou un master, on a les mêmes jobs qu'on aurait si on n'en faisait pas. Là aussi, je m'inscris en faux. Même si dans des toutes premières années, dans certains cas très spécifiques, ça peut être vrai, mais en réalité, ce dont ils se forment, c'est les capacités de monter l'escalier et de leurs ambitions futur. Donc ce n'est pas que le poste à la sortie, même si déjà du poste à la sortie, vous le voyez bien, assistant FNB au parc Hayat ou dans des sujets de RH au Pullman, qui est un gros porteur parisien qui fait plus de 800 chambres, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc voilà, ça c'est certains clichés. J'en ajoute un troisième qu'on a brièvement cité tout à l'heure, l'apprentissage. L'apprentissage, il faut que les jeunes le mesurent bien. Aujourd'hui, le tout apprentissage n'est pas forcément que positif. Il est très bien pour Enzo, il l'a choisi. Mais il a des désavantages et des inconvénients. Quand vous faites un apprentissage, vous n'aurez pas de mobilité internationale. Quand vous faites un apprentissage, vous ferez 40% de temps théorique d'études concrètes, qui ne sont pas si théoriques que ça à Savignac, en moins. Donc vous allez passer 3 semaines en entreprise, revenir 1 semaine à Savignac. Donc c'est très bien pour certains, mais il faut prendre le recul de bien le mesurer et d'en parler avant, car ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi j'ai failli faire un apprentissage il y a 20 ans, je ne l'ai pas fait et je ne l'ai jamais regretté, car le temps que j'ai pu avoir dans mes études, je l'ai consacré à d'autres choses qui m'ont épanoui et m'ont fait grandir. Voilà, donc c'est quelques clichés que je,
que je mets en exergue parmi tant d'autres, mais les métiers d'hospitalité, je suis dans ce secteur depuis maintenant 30 ans. J'ai eu 20 ans de carrière opérationnelle et fonctionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et maintenant dans l'éducation. C'est infini, le champ du possible est énorme. Par contre, il faut aider les jeunes à trouver leur voie, parce que pour bien l'optimiser, effectivement, il y a différentes filières et on ne passe pas d'une filière à l'autre. On ne passe pas d'un Ibis au parc Hayat comme ça. On peut gagner des responsabilités énormes dans des bases de vie, dans de la restauration dite collective, mais ça, on dirait que c'est négatif, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en réalité, il y a de très très belles choses qui se font, Roland Garros, Stade de France et bien d'autres, dans ces métiers-là. Donc après, c'est de choisir la voie. Elle n'est jamais définitive et le champ du possible de l'évolution est très grande. Voilà. Merci Cyril. Trois clichés pour le prix de 1, c'est aussi ça, la générosité de l'école de Savignac. On passe tout de suite à l'international et à la vie étudiante. Bachelor international et MBA, en quoi l'école de Savignac est-elle une référence internationale en matière d'hôtellerie-restauration, Cyril ? Écoutez, elle l'est à travers son cursus, qui sur le bachelor est 80% en anglais et sur le MBA 70% en anglais. Donc c'est vrai que nous n'avons pas tant que ça des étudiants étrangers qui viennent à Savignac, même si nous en avons un peu, et de temps en temps des non-francophones, et on arrive à les intégrer. Et on a même des mentors culturels pour ça. On travaille beaucoup la diversité culturelle, parce que ça fait partie des choses à savoir gérer dans les métiers de l'hospitalité, comprendre l'autre pour mieux le servir. Ensuite, nous avons plus de 22 accords d'échange possibles avec des universités dans le monde entier avec qui on propose. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas possible en apprentissage. Ça faisait la transition avec le sujet d'avant. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses sur l'international, mais on a une personne dédiée à ces questions-là. On travaille avec Erasmus et on a des bourses Erasmus qui sont possibles. Donc le parcours international, pareil, suivant le cursus que vous fabriquez, vous pouvez le faire. Ou dans le cas de l'apprentissage, il est moins présent. Mais oui. Ça n'empêche pas que vous étudiez quand même toutes les techniques de pouvoir vous exporter plus tard aussi à l'international. Les Français sont quand même reconnus et très demandés sur la scène internationale dans les jeunes que l'on forme dans les écoles de management hôtelier française. Marie, ça fait donc 5 ans à l'école de Savignac. Hein. À l'école de Savignac, vous n'avez pas une vie étudiante, et je pense que ça te parlera aussi, Enzo. Vous avez la Savignac Way of Life. Oui, tout à fait. Quelle différence ? Quelle différence ? Comme je le disais un peu plus tôt, c'est qu'on est acteur de la vie de l'école sous toutes ses formes. On a aussi des bureaux étudiants donc, sur le campus qui sont gérés par les MBA, mais qui intègrent aussi également les bachelors. C'est la petite nouveauté de cette année. Donc c'est vraiment... On s'ennuie jamais, on va dire, on a toujours quelque chose à faire et c'est aussi la responsabilité que nous donne cette école-là. Et ce qui est bien, parce que dès la première année, c'est-à-dire qu'on peut avoir des responsabilités et une fois qu'on arrive en entreprise, on n'est pas forcément surpris de la posture qu'on peut ou qu'on nous demande d'avoir. Par exemple, il y en a qui sont présidents de bureau, je sais que c'est quand même une grosse responsabilité quand on est président du bar ou bien président d'autres bureaux. On a quand même une responsabilité sur l'ensemble du cursus sur le campus. L'école Savignac, l'équipe Savignac nous fait confiance. On doit aussi faire des rapports une fois qu'on réalise nos événements. Donc vraiment, c'est comme une vie d'entreprise sur toutes ses formes en fait. Et donc on ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire et c'est ça qui est sympa à l'école de Savignac. Enzo, un mot sur la Savignac. Alors, bonjour Marie, sur le fait qu'on est vraiment acteur de cette vie à Savignac. J'irai un petit peu plus loin sur le fait qu'on est également acteur pour le village. Pourquoi ? Puisqu'on ne se concentre pas que sur l'école. On crée également des événements pour dynamiser un petit peu le village. Donc c'est toujours satisfaisant de rassembler encore une fois les villageois et les étudiants de Savignac. Qu'est-ce que je rajouterais, puisqu'elle a été assez complète, peut-être que le cursus alternance n'est également pas mis de côté. Alors oui, aujourd'hui, on n'a pas forcément de poste à responsabilité dans les bureaux, ce qui est largement compréhensible puisqu'on est sur le campus une fois par mois, une semaine par mois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on nous met de côté et on peut largement intégrer tous les bureaux selon l'envie de chacun. C'était ma question justement, parce qu'on parlait en apprentissage, il faut faire un choix, l'international, et c'est logique aussi, hein, en même temps, c'est pas incohérent. Mais en revanche, pour la vie étudiante, ça, l'école de Savignac est très intransigeante, on ne tranche pas, on a quoi qu'il arrive intégré dedans. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, sur le cursus alternance, on choisit,
comme M. Lorizac le disait tout à l'heure, on choisit ou la mobilité internationale ou non. C'est un choix selon chacun. Mais sur la partie intégration et vie sur le campus, là, c'est tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence entre les alternants et les initiaux. Pour compléter que la riche vie étudiante à Savignac, elle est aussi donc liée à cet écosystème qui engage et qui est engageant. Et donc c'est ça qui fait qu'effectivement, tous les étudiants sont toujours pris dans différents événements. Alors ça peut être, j'ai pris mon poste il y a 6 mois, mais j'ai été remercié par le Lions Club pour des choses qui ont été faites sur le handicap. Le 17 novembre, nous avons les Duo Day sur le handicap, qui est donc la journée de la semaine de l'handicap, et où nous allons accueillir à l'école différentes personnes intéressées liées au handicap. Donc voilà, donc c'est tout cet engagement-là qui effectivement est d'une richesse incroyable qu'il n'y a pas forcément dans toutes les écoles. Et alors avant de passer à la rubrique suivante, je vais vous demander à chacun un mot pour décrire votre expérience ou bien pour résumer la vie étudiante, le parcours de manière générale, juste un mot chacun. Je vais commencer par toi Marie, 5 ans, hein, c'est beaucoup donc a priori. Oui. Alors ce sera la somme des trois évidemment hein, qui fera l'expérience totale, dites pas trois fois le même, ce serait mieux. Voilà, Marie. Je dirais que c'est une école de la vie. L'école de la vie. Ça fait plus de 3 mots, ça. Plus d'un mot. Ensemble. Ensemble. Engagement. Engagement, vivons la vie ensemble, d'une certaine manière. Ça pourrait être... Et de manière engagée. Et de manière engagée. Très bien, on passe tout de suite au qui suis-je. On dit souvent hein, qu'une image vaut mieux qu'un long discours, qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Nous, chez Campus Chalmé, on a le qui suis-je. Donc, je vais vous présenter 3 personnalités. Et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux à l'école de Savignac, à ses valeurs, à sa personnalité. En partant de la droite, normalement, Cyril, ça doit vous parler. Alain Ducasse, c'est un chef cuisinier français monégasque. Il a obtenu 3 étoiles au guide Michelin avec 3 établissements différents. On ne va pas forcément les citer. Mais c'est avant tout, donc, c'est à la fois un chef de génie et en même temps un entrepreneur de génie aussi, puisqu'il est, voilà, il a un petit peu surprenait cette dimension à l'école de Savignac avec le management, l'hôtellerie, la restauration. Et voilà, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, je trouve qu'il l'incarnait plutôt bien. Et puis je sais que vous, dans votre parcours, vous avez été amené à travailler avec, de près ou de loin en tout cas, ce personnage. Je vous laisserai peut-être en parler. De près. C'est ce qui me semblait aussi. Au centre, Anne-Sophie Pic. Bon, je pourrais la présenter, 10 étoiles Michelin, ce qui en fait la femme la plus étoilée au monde. Pareil, entrepreneuse, mais c'était un peu, on va dire, le versant féminin de Alain Ducasse. Et puis, tout à gauche, Louis de Funès. Alors, pour ceux qui ont les rêves, je ne sais pas, c'est quand même... Il a fait l'aile ou la cuisse avec le guide du chemin. Et puis, il a fait le grand restaurant, le Septime, où il incarne un responsable de restaurant un peu à la fois exécrable avec son personnel et complètement délicieux avec ses clients. Et puis, en même temps, Louis de Funès, c'est un travailleur acharné, issu d'un milieu modeste, qui réussit vraiment grâce à son talent et parce qu'il a su capitaliser sur des moments importants dans la vie. Je me suis dit que c'est peut-être aussi ce qu'on vous enseignait. Oui. Voilà. Enzo, je vais te laisser commencer. Quel personnage, selon toi, correspond le mieux à l'école? Alors, j'ai choisi Louis de Funès. Ah, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est justement, l'école nous pousse, comme tu le disais tout à l'heure, nous pousse à aller toujours un petit peu plus loin, à travailler sur soi-même. Donc, c'est pour moi quelqu'un qui représente, qui pourrait représenter justement les idées de l'école. De plus, c'est quelqu'un qui a toujours, peut-être pas dans ces films-là, mais qui est toujours une joie de vivre, une bonne humeur, qui est encore une fois indispensable à mon sens sur l'école de Savignac et dans la vie professionnelle et personnelle. Merci Enzo. Marie, normalement pas le même, non. Évidemment. Hein, mais... Moi je prendrais celle du milieu, Anne-Sophie Pic. Allons-y. Notamment parce que c'est une femme qui est reconnue à l'international et comme vous dites, c'est une des femmes les plus titrées à l'international, donc je suis complètement admirative. Je regardais il y a quelques jours une série Netflix où justement c'était la seule femme qui était représentée et je me disais waouh, quel courage et son côté audacieux, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à l'école, audacieux et innovatrice. Elle utilise des saveurs pour les mettre en avant mais d'une façon auquel on ne pourrait pas s'attendre et le côté créativité avec des couleurs, moi j'aime bien cette... ce personnage, donc vraiment... et sa cuisine. Exactement. Merci. Bon, normalement, il n'en reste plus qu'un. Alors, moi, j'aurais quand même été tiraillé, donc je parlais du tiraillement, mais bien entendu, je vais choisir Alain Ducasse, qui est un mentor dans ma vie professionnelle. Mais j'ai juste une pensée pour Louis de Funès, qui effectivement, Enzo l'a bien décrit, et j'ai beaucoup aimé votre appréciation sur ce travailleur de génie qui a su...
faire de ce métier, et puis dans ces films-là où il représente la gastronomie. Donc c'est, voilà. Pour ce qui est d'Alain Ducasse, un homme extraordinaire, un boulimique de projets, un homme qui a 25 restaurants dans le monde, une chaîne de des magasins de chocolat qui sont absolument délicieux. Bon, je ne vais pas vous faire tout ce qu'il couvre, mais Alain Ducasse, c'est un génie du leadership des chefs. C'est un homme qui a compris très tôt et qui s'appuie sur qui est le chef d'orchestre. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il ne m'en voudra pas si je raconte l'histoire, puisqu'elle est publique. Alain Ducasse a beaucoup été critiqué à l'époque, il y a 20 ans, pour avoir été chef de 3 étoilés dans plusieurs restaurants en même temps. Et en réalité, il a démontré, puisqu'Alain Ducasse a eu un accident d'avion, dont il a été le seul survivant, et pendant 2-3 ans, il a piloté la cuisine de Monaco sur son lit d'hôpital. Et ça ne l'a pas empêché de goûter. Donc comme un musicien qui aurait l'oreille absolue, il a le palais absolu. Et il décide de tous ses plats dans ses 25 restaurants dans le monde. Et c'est un leader d'homme extraordinaire. On pourrait faire presque une vidéo sur ce sujet. J'aurais plein de choses à dire. Par contre, ce que j'aurais aimé dire à ce moment-là, c'est aussi, les chefs sont la vitrine aujourd'hui d'un savoir-faire français. Mais à quand une vitrine du service? À quand une vitrine du top chef maître d'hôtel, du top maître chef, du top sommelier? On est en train de mourir aujourd'hui de la non-reconnaissance en France, première destination touristique au monde, d'une non-reconnaissance des métiers de service. Sauf certains jeunes qui le comprennent et qui le choisissent vocationnellement, il faut qu'on ouvre les yeux sur ce sujet-là. Ce sont des métiers absolument fabuleux qui ne sont pas du tout simplement des passe-plats. Et donc, ça va au-delà de la cuisine. Donc, la cuisine a ses heures de gloire. J'aimerais aussi que le service puisse l'avoir dans tous les sens du terme, que ce soit dans un restaurant, dans une réception, dans un hôpital, dans une résidence troisième âge. Beaucoup de choses sont service. Et voilà, je petite pensée sur ce sujet. Et sur Alain Ducasse, encore pour revenir, un entrepreneur de génie, boulimique de projet et une locomotive. Et j'ajouterai dernier mot, effectivement, quelqu'un d'ambitieux. Et moi, c'est aussi ça que je veux passer à nos étudiants, c'est être ambitieux dans leur vie, avec bonne humeur. Le message est passé. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la rubrique « Et après ». Cyril, hein, comme je le disais, vous êtes le nouveau directeur de l'école de Savignac. Vous avez travaillé en lien, j'ai regardé dans votre parcours, que vous aviez travaillé avec Alain Ducasse. En quoi, je dis ça, on pose souvent aux étudiants, en quoi êtes-vous des bons étudiants pour notre école? C'est une question de personnalité assez classique. Eh bien, en quoi êtes-vous un bon directeur pour cette école? Oh En quoi suis-je un bon directeur? Je pense mon parcours pluridisciplinaire dans les métiers de l'hôtellerie. Moi, je suis tombé dans cette marmite jeune. J'ai fait mes premiers boulots. J'ai compris, j'avais un papa, mes parents étaient divorcés. J'avais un papa qui voyageait à travers le monde. Et donc, je vivais ces voyages par transposition. Et j'ai vite compris que j'aimais les rapports humains. Donc, les rapports humains plus le goût du voyage m'ont entraîné dans cette vocation hôtelière. J'y ai fait mes études et j'y ai trouvé une richesse de diversité de fonctions opérationnelles, fonctionnelles. J'ai eu la chance de travailler en France, au Portugal, à Cuba pendant 2 ans. Donc, j'ai eu des postes très divers et variés qui ont une cohérence. Et puis, un jour, effectivement, j'ai eu l'opportunité aussi de rentrer dans l'éducation supérieure hôtelière, et j'ai managé déjà un MBA hôtelier concurrent de suite Savignac, et puis j'ai dirigé les écoles d'Alain Ducasse. Donc moi mon parcours, il est représentatif, il est un parmi d'autres, mais représentatif d'une grande diversité qu'offrent ces métiers-là. Voilà, donc je comprends un peu certaines de leurs questions. Tu peux, absolument, merci. Marie, alors je te pose cette question à toi, Enzo, je pourrais te la poser aussi, mais toi tu es là depuis 3 ans et dans mes calculs, le campus a été rénové en 2019. Oui. Donc toi tu as connu l'avant et l'après. J'ai connu uniquement l'après. C'est pour ça que Marie, je me demandais, est-ce que ces rénovations ont quand même conservé le Savignac Spirit? Oui, tout à fait, on ne l'a pas perdu, loin de là, puisqu'en plus on fait vivre les nouveaux murs, entre guillemets aussi, donc
Donc non, vraiment, pour moi, il n'y a pas eu de changement, mis à part le côté le club, où là, oui, c'était vraiment l'endroit, on va dire, mythique avec la moquette. Petit clin d'œil aux anciens. Mais, mais en dehors de ça, non, le campus vit tout aussi bien qu'avant. Et même, c'est mieux parce que nous avons maintenant plus de place. On a plus de salles pour pouvoir étudier dans de meilleures peut-être, conditions aussi également, puisque bah, en fait, l'école de Savignac a évolué tout autant que le secteur. Donc franchement, non, pour moi, il vit tout aussi bien qu'avant. Très bien. Enzo, je sais que tu aimais bien ces questions, en tout cas, je t'ai vu sourire chaque fois que je n'ai posé une. La Savignac Way of Life, la Savignac Attitude, et il y a aussi la touche Savignac. Qu'est-ce que c'est la touche Savignac, Enzo ? Alors, la touche Savignac, peut-être que Marie aura plus d'idées. Alors, la touche Savignac, moi, je dirais, c'est quelque chose qu'ont pas forcément les autres écoles. Je vais prendre une expérience, et c'est que nous sommes rendus à Clairefontaine avec une équipe de foot, donc on était plusieurs étudiants à représenter l'équipe de foot de l'école de Savignac. C'était sur Paris, donc, et c'est vrai qu'on s'est vraiment différencié par rapport aux autres écoles, par rapport à notre esprit, état d'esprit, solidarité, entraide, et on n'était pas forcément les meilleurs, mais sur cette journée, on s'est vraiment démarqué par rapport aux autres écoles. Et vraiment, l'ensemble des écoles était plutôt admiratif de nous tous. Donc vraiment, je dirais que pour nous, entre guillemets, c'est peut-être ça, la touch life. J'ajouterais à cela, parce que c'est ça, l'humilité. Je pense que les étudiants de Savignac sont très en phase avec le marché de l'industrie, le marché des hôtels, qu'ils soient indépendants, hein, parce qu'on parle d'industrie, mais en réalité, on parle d'une industrie très défragmentée. Et donc, ils sont en phase avec ce qu'ils attendent dans le milieu professionnel, et ils assument cette opérationnalité qui est aujourd'hui celle que le secteur a besoin. Donc, on ne les monte pas à Bac plus 5 pour leur faire croire qu'ils vont être directeurs d'hôtel demain matin. Ils le seront peut-être. On forme des managers, des leaders et des futurs dirigeants des métiers de l'hospitalité, mais c'est un chemin. C'est un chemin, si vous discutez avec des directeurs ou des anciens, parce qu'on a un très fort réseau d'anciens qui sont devenus, alors pas tous, certains directeurs de palace, d'autres de centres de base de vie, je peux parler d'une société telle que Newrest par exemple, et qui gère beaucoup de choses. Effectivement, c'est de ne jamais renier finalement. Je veux dire, on est toujours dans un rapport avec l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc faut pas. Voilà, et je pense que la Savignac Touch, c'est aussi d'être très en phase avec ça et avec les besoins des professionnels. Vous parlez des anciens, hein, tirer parti d'un réseau puissant et mondial, c'est ce que vous affichez. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe une vraie solidarité entre les promotions ? Absolument. Alors, je vais commencer à répondre. Donc, le club Savignac, on travaille. Là, le 22 novembre, le club Savignac vient faire une participation forte, organise le forum RH. Le réseau est composé de 3000 étudiants un peu partout dans le monde. Il est très fédéré. Et effectivement, il y a cet affecto societatis d'un bureau qui entretient entre les anciens et les étudiants à plein de moments de leurs études, les contacts pour aussi leur apporter leur regard un peu justement à différents moments de leur carrière et éventuellement une entraide dans leur recherche. Enzo, tous les deux vous étiez un oui à l'unisson, mais Enzo, alors, je vais te laisser commenter. Je rejoins un petit peu ce que Cyril a dit. C'est vrai que sur la base des anciens de Savignac, le réseau, il nous aide énormément, que ça soit une recherche de stage, que ça soit un petit coup de main quand un étudiant arrive en stage à Paris et il ne sait pas trop comment ça se passe puisqu'il n'est pas parisien. Là, le club Savignac et le réseau d'anciens, il est vraiment important. Je pourrais rajouter également, après c'est un petit peu plus présent sur l'école, c'est que le lien entre les générations et les promotions également présent. Tout simplement, quelques exemples, c'est les premières années de MBA qui préparent le gala de fin d'année des deuxièmes MBA, des deuxièmes années MBA. C'est certaines promotions qui vont préparer l'arrivée d'une promotion puisqu'ils se sont dépassés pendant une semaine sur un stage de cohésion. Donc on a vraiment un lien très important et très fort entre les promotions, ceux qui sont également actuellement à l'école et les anciens. Et toute cette solidarité avec des résultats, hein, puisque vous n'en avez pas parlé, mais les statistiques, c'est 96% des diplômés ont un emploi 6 mois après l'obtention d'un bachelor et 91% après le MBA, on passe tout de suite au temps additionnel. Le temps additionnel, c'est l'occasion peut-être de rajouter, de mentionner une dimension de l'école de Savignac dont on n'a pas encore parlé, ou à l'inverse d'accentuer hein, un trait savignacien qu'on a déjà évoqué. Enzo, je vais te laisser commencer. Quelle est ta conclusion ? La conclusion, c'est pour moi vraiment voilà, l'idée de Savignac, ce qui se passe à Savignac, a vraiment été résumé aujourd'hui. J'aimerais accentuer un petit peu plus ce que disait Marie tout à l'heure, le fait qu'on est vraiment acteur
de notre formation et qu'on n'est pas que... Voilà, c'est nous qui vivons notre expérience. Et encore une fois, je vais répéter le mot, mais on est vraiment... Nous vivons l'école de Savignac. Très bien. Merci beaucoup, Enzo. Marie ? Oui, il a très bien résumé un peu l'école de Savignac. Quand il dit aussi que nous sommes acteurs, c'est en parlant de stages, on en parlait il y a quelques instants, c'est nous-mêmes aussi qui choisissons nos stages, et ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire que ce n'est pas l'école qui choisit nos stages pour nous, c'est-à-dire que c'est nous qui allons démarcher les entreprises, qui allons chercher entre guillemets, le poste qu'on souhaite avoir, et ça c'est important parce que c'est nous-mêmes qui traçons entre guillemets, notre parcours, les expériences professionnelles qu'on va insérer après sur notre CV, donc vraiment ça aussi c'est important de le souligner. On a une équipe pédagogique incroyable qui est toujours présente avec nous pour pouvoir nous aider en cas de besoin, mais c'est nous-mêmes qui sommes acteurs et c'est nous-mêmes qui cherchons les stages ou bien toute autre chose en fait. Donc vraiment ça aussi c'est important de le souligner, comme quoi nous sommes accompagnés, mais c'est nous-mêmes qui sommes aussi acteurs de notre futur, de demain. Une famille avec des chefs de famille bienveillants qui exactement, vous accompagnent dans votre épanouissement. Voilà. Et vous, Cyril, je vous écoute. Non, en complément, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont responsables, mais nous, on en crée les conditions. Un forum, par exemple, début janvier, avec plus de 80 entreprises qui se déplacent pour la plupart de la région parisienne et qui viennent dans cette soi-disant fin fond de la Dordogne. Qui est le fin fond de quoi? Ça, c'est encore relatif, mais qui viennent parce qu'ils savent qu'ils trouvent de belles pépites. Effectivement, à eux, après, de savoir ce qu'ils cherchent et se vendre. Des assistantes pédagogiques, on ne mentionne pas assez à Savignac, un développement personnalisé dont le ratio par étudiant est absolument unique et bien au-delà de n'importe quel autre de nos concurrents. Donc on est vraiment dans un suivi individualisé de la recherche du développement personnel de l'étudiant parce que c'est lui, c'est sa voix, c'est ce qu'il va comprendre dès la première année où on arrive, on est à 18 ans, on est encore très immature, avec entre autres une personne qui a beaucoup travaillé à l'international dans l'hôtellerie. Donc voilà, des sujets. Et puis j'ajouterais comme sujet additionnel le 3 en 1. le fameux 3 en 1 de Cyril Lorzac. La pédagogie qui est vraiment unique. On a des profs qui sont autant engagés, qui aiment autant Savignac que les étudiants ou que l'équipe Savignac, et qui sont 80%, je le répète, des professionnels du secteur qui se sont donné les moyens de devenir des enseignants professionnels ou des intervenants, mais qui ne sont pas forcément des enseignants de métier. Comme il y a des politiciens de métier ou il y a des gens qui font un peu de politique, ben là c'est un peu pareil. On est sur des enseignants qui cherchent à transmettre et qui à côté travaillent dans diverses sociétés qui ne le font que pour Savignac ou que pour voilà et qui apportent des outils très concrets à ces étudiants. Donc on n'est pas dans on est dans une théorie appliquée, applicable et professionnalisante. Merci Cyril, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Si vous cherchez une école à la fois généreuse, familiale et efficace, c'est à l'école de Savignac pour vous former au métier de l'hospitalité. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis tous à très bientôt.